à tous. Ah, Fabrice aujourd'hui a laissé ses voitures et vient avec moi. Donc aujourd'hui on fait une balade du coup plus courte que prévu. On voulait vous emmener sur une balade au-dessus du lac. Je vous dirai toujours pas parce qu'on ira à un moment ou un autre. Et donc en fait le temps est mitigé. Ils annoncent un peu orageux dès cet après-midi. Donc on veut pas, on va pas prendre de risques, c'est inutile. Donc là en fait on est, vous voyez le Rhône derrière nous. Et donc on part de la commune de Cressin-Rochefort et donc on va au lac de Barteran. Donc ça va être une petite rando de, je crois, de 9 km. Et donc, écoutez, on vous emmène avec nous. Le Rhône, donc derrière, c'est là qu'il y a la voie de Genève qui passe aussi. Et voilà. Et donc, écoutez, on va... Je connais déjà la balade, vous allez voir, c'est un tout petit lac, mais très très sympa. Allez, c'est parti. Allez, en route. En route. Voilà, je vous ai montré ma nouvelle acquisition pour le Camino et pour les randos. C'est donc un poncho de la marque Ferino. En fait, j'ai pris ça. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers que les Decathlon, c'est sûr. Mais vous voyez, l'ouverture, elle se fait sur le devant parce que je galère trop. Et vous voyez, j'ai pris la taille large. Je suis petite, mais au moins, j'emmènerai plus le pantalon de pluie. Et comme ça, je suis couverte jusqu'en bas et je ne m'embête pas. Voilà, donc vous voyez, je l'ai sorti parce qu'il y a quelques gouttes de pluie. Donc vous voyez, là, ça fait bien pèlerinage. Allez, on continue la balade. Le petit chaperon rouge. Bon, allez, voilà. Donc on montait jusqu'ici et là, on entame la descente qui va nous mener vers le lac de Barteran. Ouais, ça glisse, je pense. Il y a eu beaucoup de pluie hier. Si vous savez ce que c'est comme oiseau, je veux bien que vous me le disiez. Bon, la pluie s'est arrêtée. Non, j'ai enlevé mon poncho. Allez, on devrait pas tarder à arriver au lac. Allez, on croise une petite départementale. Hop. C'est un peu plus loin que ce que je pensais. Voilà, on a quoi, 200-300 mètres de route, Fabrice? Ouais. Et puis après, on rejoint tout de suite ce petit sentier. Allez, on va dire 15-20 minutes. Il se fait désirer, ce lac de Barteran. Et j'ai oublié de vous dire, du coup, Cressin-Rochefort et ce lac de Barteran, il est en fait à la limite Savoie 1. Donc on est un peu sur la limite des deux départements. Voilà, et en face, je ne sais pas si du lac on verra, on va voir le Grand Colombier. Allez, on y est bientôt.
maintenant qu'on a atteint le lac, on va aller à l'autre bout du lac et on va aller découvrir la roche sculptée. Donc voilà pour une explication, cette sculpture, en fait elle a été faite du 13 juillet au 11 août 91 comme vous pouvez lire par les 7 sculpteurs que vous voyez là. Et donc en fait il retrace une partie du légende du Buget. Donc on voit les grosses mains, c'est Gargantua, le raisin qui est la raison de vivre donc dans le coin. Et donc apparemment il y a eu un spectacle son et lumière ici. Donc en tout cas, c'est un peu surprenant de tomber sur cette sculpture qui est très, vraiment très chouette. Donc voilà, on est à l'autre bout du lac. Fabrice admire le paysage. Bon, c'est vrai que le lac est un peu gris aujourd'hui avec le temps, mais bon, voilà. Et on va essayer de se trouver un petit coin pour prendre notre sandwich et profiter. Et je sais qu'après, il faut remonter tout là-haut. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, ça y est, mes bâtons sont tombés. Là, il y a un drapeau rouge, donc après, on doit remonter là-haut. Il y a une vue sur le lac. Et puis donc, bah, après, on redescend tranquillement vers Cressin-Rochefort. Allez, on va continuer le chemin et se trouve un petit coin pour manger. Bon, bah, nous voilà repartis du lac. On remonte dans la forêt. Il y a un obstacle, alors on va passer par là. On est parti un petit peu précipitamment parce qu'il y avait une belle averse. Donc on est vite retourné sur notre sentier pour être à l'abri de la forêt. Donc on a bien fait de ne pas faire notre balade au-dessus du lac. La vue n'aurait pas été sympa. Et puis en plus, voilà, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ça va Fabrice? Ça va. Caché dans les arbres. À l'abri. À l'abri. C'est vrai qu'il pleut un peu là. Le lac est là. On va aller rejoindre le petit drapeau rouge dont on vous parlait tout à l'heure, pardon, pour avoir une vue sur le lac. Bon, on a pris la petite bifurcation pour monter jusqu'au drapeau rouge pour avoir une vue sur le lac. On est un peu dans la pampa. Hein, alors je vais essayer de pas trop vous secouer en montant dans les rochers. Hop là. Donc le drapeau rouge est là. Allez, à gauche, on suit Fabrice. Ah oui, on a une jolie vue sur le lac de Barteran. Vous voyez, on est quand même monté assez vite. Ah oui, il y a un aigle qui tourne. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est là-bas qu'il y a la sculpture. Elle est là, où on était tout à l'heure. Et donc là, dès qu'on vient à droite du drapeau, on voit plus le lac de Barteran, mais on retrouve le Rhône. Voilà, qui continue à descendre vers Belley. Allez, la pluie va pas tarder à revenir, on va pas traîner. J'ai rien fait, moi. Je vous explique, il arrête pas de me balancer des bouts de branches sur la tête. C'est pas vrai. Le calme, le de la forêt. Et d'un seul coup, un cerf. Mais non, c'est moi. Ah, je vous assure, c'est pas facile les randonnées avec Fabrice. Tout à l'heure, il me canardait avec des branches qu'il m'envoyait par derrière. Enfin, écoutez, ça anime la sortie. Hein.
Ah, et la pluie revient, je crois. Vous voyez cette petite balade en sous-bois. Bon, là, aujourd'hui, il pleuviote, hein, mais je pense qu'en plein été, c'est vraiment sympa de faire cette balade. Par contre, pour venir jusqu'au lac, c'est assez bien indiqué. Il y a bien le balisage. Mais alors ici, je vous avoue que sans viseau rondo, il y a des fois des sentiers. On ne sait pas trop par où il faut passer. Heureusement que j'ai l'application. Bon, après, on ne peut pas aller bien loin. Hein. Au pire, on arrivera sur la route plus loin que prévu. Mais voilà. Bon, eh bien, écoutez, notre balade touche à sa fin. Il nous reste là. On va rejoindre la petite départementale. Et on va rejoindre la voiture, un tout petit peu de route, devant l'église. Donc, on préfère vous dire au revoir sur ce beau petit chemin tout vert. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Fabrice, ça t'a plu? Oui, j'en ai vu un joli cerf. Oui, on a vu un joli cerf, c'est vrai. Un spécimen rare. Tu m'étonnes. Oui. Et donc, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, parce qu'on sera ensemble, ouais, pour une nouvelle balade surprise. En espérant qu'il fasse beau. Mais ouais, il faudra. Mais ça je devrait. Crois que c'est bien parti pour. Oui, ça a l'air d'être bien parti. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt. Bisous à tous.